très content d'être là. Comme d'habitude, le congrès se passe très bien, bien organisé. Très bonne ambiance et très instructif. Ça fait du bien de se retrouver après plusieurs années de Covid et d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. Il y a une bonne ambiance, c'est hyper bienveillant. Chers amis, nous sommes très 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 heureux de vous retrouver pour ce nouveau congrès qui est le 64e congrès de la SFAR. On aura beaucoup de plaisir à se retrouver, à partager et à apprendre ensemble. Avec des questions, quelle est la place de l'anesthésie réanimation et éthine périopératoire dans le champ de la santé publique? Comment repenser nos pratiques de soins pour les rendre durables, pour nos patients et pour nous-mêmes? Et comment se préparer à d'autres crises éventuellement? Pour cette première bourse recherche infirmière de réanimation, le comité a choisi de récompenser un sujet novateur. Et donc je vais demander à chaque lauréate ou lauréat de bourse de venir me rejoindre sur scène. Et comme je sais que tu n'es pas très très à l'aise avec la réception de ce prix, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour féliciter Emmanuel. Quand on m'a proposé de recevoir ce prix, je me suis dit que c'est quand même pas un peu jeune pour un César d'honneur. Puis Anne-Sophie Marie avec ses mains, elle les pose sur les vôtres. Et tout devient facile, elle vous fait sentir le geste. Tu nous as fait réfléchir, tu nous as suscité des interrogations, tu nous as sorti de nos zones de confort, de nos zones de confiance. Et ces recherches ont été possibles que parce que vous nous avez fait confiance et que vous continuez de nous faire confiance en incluant des patients dans ces études-là. Donc ce prix vous revient évidemment à tous et à toutes. Tu as fait progresser l'anesthésie réanimation et la médecine péropératoire. Donc je ne vois pas la salle, mais s'il y a des Bretons dans la salle, c'est à cette journée-là qu'il faut absolument vous inscrire. Et les Nantais sont aussi les bienvenus d'ailleurs. Le but, c'est de les faire parler. Alors, le travail et la spécialité commencent il y a plusieurs millions d'années. Les corps, les squelettes anciens sont extrêmement intéressants pour nous. Ils nous permettent de remonter le fil du temps et d'essayer de reconstituer, de poser des diagnostics sur ces patients du passé. Vous avez Richard Cœur de Lion qui est tout en haut. En dessous, vous le reconnaissez ou pas? Robespierre, bravo. En dessous, Jeanne d'Arc. Bon, c'était pas exactement Jeanne d'Arc. Finalement, c'était des fragments d'une momie égyptienne. C'était un faux historique. Il y en a de temps en temps. Il y avait même un petit bout qui était un fémur de chat. Quoi. Celle qui est un peu austère, là, en bas, juste à côté de Jeanne d'Arc. Diane de Poitiers, exactement. Sauf que là, elle n'était pas au summum de sa beauté. Là, c'est un an avant sa mort. Et elle avait déjà été un peu amochée par l'or potable qu'elle prenait, un élixir de jouvence, mais en fait ça marche absolument pas, n'essayez pas. Je suis infirmier anesthésiste, je vais de la République démocratique du Congo. Je suis interne à Strasbourg et c'est mon premier congrès. C'est chaque année que je viens participer à ce congrès et on tire toujours profit. J'ai beaucoup apprécié donc les échanges avec les médecins durant ces 3 jours de congrès. Ça nous permet de partager l'expérience avec les gens qui sont en France, les gens qui viennent d'autres pays. C'est toujours très enrichissant de voir leur intérêt sur ce qu'on propose, sur nos solutions, nos services, etc. Quand nous rentrons au pays, ça nous permet d'être à la page par rapport à toutes les pratiques. Vous allez devoir écrire la formule de transformation des bicarbonates en CO2 avec le gant de boxe. Selon l'OMS, à ce jour, quel pays du monde a déclaré le moins de victimes du Covid-19, soit 0 mort? C'est une bonne réponse. Bravo. Merci. Comme tous les ans, c'est l'apéro du comité jeune. On est vraiment ravis, le congrès se passe hyper bien. On a fait nos topos de physio au tableau, on a fait notre session jeune avec le burger à air, avec le battle de physio, et on enchaîne encore demain avec ma thèse en 180 secondes. Et on est vraiment ravis d'avoir autant de moyens pour faire un maximum de choses pour les jeunes anesthésistes réanimateurs. Épileptiforme post-arrêt cardiaque versus stratégie dans laquelle on met une seule ligne et on attend. Pour les produits augmentant le taux de sérotonine, donc c'est l'autre versant d'action du tramadol. On a intérêt à optimiser le volume d'éjection systolique avant la diffusion, qui perdra un peu de temps. La même chose, oxygène,
CO2, le choix de l'hypothèse de la température, le contrôle de l'épilepsie. J'ai ciblé un peu les choses qui m'intéressaient. Il y a énormément de sujets intéressants. Et très accessible aussi, du coup, en fonction des horaires. C'est très bien organisé. J'ai fait plusieurs sessions, surtout sur le thème de la chirurgie cardiaque. À la session QVT, où j'ai découvert plein de nouveautés sur la qualité de vie au travail et le développement durable. Il y a plusieurs parcours très intéressants. J'ai découvert des nouveaux monitorages. Et on a vraiment l'embarras du choix. Nous sommes très heureux d'être ici à l'association des petits doudous. Nous avons pu bénéficier ce matin de la RunSFAR avec 68 participants et tous les kilomètres se sont transformés en heureux et en doudous pour les enfants qu'on soutient dans tous les blocs opératoires de France. Bonjour à tous et à toutes, c'est ma première soirée, je suis très très ému. Je suis depuis 2 ans responsable des services médicaux pour Paris 2024, donc en charge de l'organisation de tout l'accompagnement médical des athlètes et du public. Et là on vient voir s'il y a des urgentistes, médecins, anesthésistes, réanimateurs, infirmières de réanimation et IAD qui souhaiteraient venir participer à notre programme. Il faut dire que la SFAR met énormément d'argent dans les prix, puisque c'est aux alentours de 150 000 euros par an, ce qui fait un budget, et c'est une des missions de la SFAR, c'est de pouvoir faire avancer l'innovation, la recherche, sous toutes ses formes, médicales, paramédicales, sur toutes les facettes de l'anesthésie et réanimation, médecine périopératoire. Donc bravo à tous. Très heureux, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est très convivial, les gens sont contents d'être là et on pense que c'est un congrès qui est réussi pour tout le monde. C'est un cru exceptionnel ce congrès de la SFAR parce qu'on a réussi à réunir 5400 professionnels de l'anesthésie réanimation. Tous ceux qui assistent aux sessions sont contents des thématiques, les salles sont pleines avec des sujets qui n'avaient jamais été traités ici et qui font l'unanimité en termes d'intérêt. Voir un petit peu les copains, comment ils travaillent ailleurs. Dire bonjour à certains de mes anciens professeurs qui sont encore là. Ça permet de rencontrer un peu du coup des jeunes anesthésistes animateurs de partout. De partager avec eux quelques souvenirs. C'était vraiment un plus, j'ai appris beaucoup. Venez nombreux l'année prochaine. Je n'hésiterai pas à revenir surtout. La SFAR, c'est trop fort, c'est trop bien.